Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Alors aujourd'hui, on voit un petit carton qui est arrivé ce matin. C'est le premier unboxing de la chaîne. Alors je tiens à préciser que c'est donc une machine que j'ai achetée moi, hein. Ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Donc on va ouvrir le carton et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carton? Déjà, donc c'est une imprimante. On va sortir la deuxième partie. On va regarder si rien n'est cassé. Apparemment, ça a l'air d'aller. Donc, c'est l'imprimante la Spark Maker. Alors, dans le carton, donc on a l'imprimante. On a ceci. Donc, ça. Bon, c'est l'adaptateur secteur. Avec la prise qui va avec. Et là on a donc ce qui va nous servir de réceptacle pour mettre la résine. Et en l'occurrence je vois qu'il n'y a pas de résine. Donc en fait quand on commande la machine d'office, il y a de la résine et là apparemment ils ont oublié de mettre la résine. Alors un petit tour sur l'ordinateur pour vous montrer aussi donc également le produit. En fait, c'est un projet à la base Kickstarter et on peut voir donc le prix de la machine, 289 $. C'est vraiment pas excessif. Donc là. Au départ, c'était donc un projet Kickstarter. Donc, ils montrent leurs exemples d'impression. La différence entre donc l'impression FDM et donc leur machine SLA. Alors, ça c'est leur résine spécifique pour leur machine, hein, mais il y a de nombreuses résines qui sont qu'on peut utiliser donc sur cette machine. J'ai regardé, ils ont créé un groupe sur Facebook, un groupe Spark Maker. Donc il y a pas mal de personnes qui utilisent d'autres résines que la leur. Donc ils en ont 5, toutes différentes. Et ici on a également donc des colorants qu'on peut rajouter à la résine. Donc c'est plutôt sympa. On peut avoir des petits résultats cool. Donc ici on a les coordonnées d'impression, hein. Donc 102, 56 par 125. Là vous avez donc les dimensions en XY, en Z. La vitesse d'impression, la méthode donc d'impression SD card, les stepper motor driver et ils ont un software aussi, le Park Studio, où apparemment on peut modéliser avec. Alors j'ai pas regardé encore. Au départ le projet sur Kickstarter il était à 99 $, donc vraiment pas cher quoi. Et je sais plus il y avait combien de pack à ce prix là, mais bon ils ont été tout de suite à ce prix là, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Notamment ce que je voulais vous montrer c'était le prix. Donc là
On a le résine tank, vous avez les prix, 29 $. Ici, les colorants. Là, on peut changer l'écran si on le souhaite ou s'il y a un problème. Donc, avec toutes les résines plus les colorants et la machine, vous avez un pack. Et sinon, voilà, LCDC, 89 $. L'AT à 49 et les trois autres à 64. Un petit tank à 29, le color à 29. Bon, ça, on a déjà vu. Voilà, rien de bien sorcier. Ici, des vidéos qu'ils ont faites donc, pour présenter leur impression. Je crois que sur celle-là, ils tapent avec un marteau pour voir si ça se casse ou pas. Celle-ci, c'est une résine un peu élastique. Donc après, bon, bah, c'est à tester. Hein. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore testé. On a juste fait simplement le déballage. Je vous dis, on verra ça dans une prochaine vidéo.